Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire voir un petit haul que Nose que j'ai fait cette semaine et 2-3 achats actions, oui, deux. Donc actions, j'ai repris de la pâte, donc j'en ai pris 2 paquets, puisque j'ai mes petites mains, vous savez, j'ai mes filles qui me font certains moules et les plus compliqués c'est moi qui les fais, mais du coup j'en ai toujours d'avance puisque... au vu du temps qu'on peut avoir, quand elles ne savent pas quoi faire, et ben, elles me font des moules. Donc, voilà. Sinon, j'ai pris, alors je le sais puisque j'y suis allée tout à l'heure, c'est 49 centimes. C'est 3 lots comme ceci, de petits carnets, mais moi, je l'ai surtout pris pour pouvoir les customiser. Alors, attendez, je vais vous en ouvrir un. Pouvoir les customiser et puis offrir aux copinettes. Je pense qu'on le fera en vidéo d'ailleurs. Donc j'en ai un, il est ligné comme ça, il suffit d'écrire le mois et puis après les jours, donc on peut l'utiliser toutes les années puisqu'il n'y a pas de date, il n'y a rien, c'est à nous d'écrire les mois, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et les deux autres, donc là c'est des lignes blanches. Des lignes blanches, des pages blanches, donc assez pratique, même sans customiser, je les trouve assez jolies. Format pour mettre dans un sac à main, c'est très joli. Et celui-ci, c'est ce motif-là. Et celui-ci, il a des petits points. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc j'en ai pris 3 comme ceci. J'ai pris les mêmes comme ceci. Ça, c'est pareil. J'en ai pris, il doit y en avoir plusieurs, des comme ça. Oui, j'en ai pris 2 comme ça. Ça, c'est le même que tout à l'heure. Donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 6 paquets. Donc, 6 fois 3 comme ça. J'ai de quoi faire et puis ça permet de faire un petit cadeau sympa quand on veut envoyer dans certains endroits. Donc voilà. Sinon, à Nose, j'ai eu alors c'est pas un nouvel arrivage, c'est je pense à des cartons qui n'ont pas été ouverts au moment de l'arrivage du premier arrivage de Dovecraft qu'on a eu il y a... Il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça qu'ils ont remis, puisque je sais que quand ils n'ont pas le temps d'ouvrir toutes les palettes, ils les mettent de côté, elles sont ouvertes plus tard, et ils continuent à mettre les arrivages de la semaine en cours. Et donc, du coup, on se retrouve un mois après, on peut retrouver des nouveaux articles. Donc, celui-ci, je l'avais déjà pris en 20-20, mais je l'ai pris en 30-30, puisque j'ai vu... sur la page de sur le Facebook de André Donnemergue qui fait des superbes albums et là elle a j'ai regardé un petit peu comment elle faisait elle met en fonction des albums elle a tout un c'est des tutos express qu'elle appelle et du coup elle explique les pages certaines pages certains fonctionnements et j'ai vu certains trucs qui me plaisaient voilà mais sauf qu'en hauteur 20-20 de mes papiers puisque j'étais partie pour faire un album 20-20. Je pense qu'il va falloir que je le fasse plus haut et je pense faire quelques pages comme elle a fait. Ils sont vraiment magnifiques et ça me donne des idées. Donc peut-être que j'en ferai quelques pages avec vous. Donc du coup j'ai pris celui-ci pour aller avec l'album de ma fille sur les gorgeuses et les papillons forcément. Vous savez que j'ai un amour pour les papillons. Voilà. Et du coup, ça me permet de faire... celle-ci, j'adore. Pour faire vraiment les... Là, en hauteur de page, je pense que ça va être simple. Donc, je me suis dit, je préfère le prendre. Il était à 6 euros. Voilà. Mais je sais à quoi il va servir. J'ai craqué également pour celui-ci. Alors, en papier, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai du stock, hein, je m'en cache pas. Hein, voilà. Mais alors, franchement, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci.
que des papillons. Je vais vous faire voir plus en détail. Je l'ai trouvé très printanier. Il est vraiment magnifique. Puisque je cherche toujours les dyes. Studio Light. Puisque les dyes ne sont toujours pas arrivés chez moi. Donc, vous voyez celui-ci. Regardez-moi celui-là, je ne pouvais pas passer à côté de cette page-là, comment elle est toute fraîche. Donc là. Il est un peu irisé, vous n'allez peut-être pas le voir, mais franchement, il est vraiment superbe. J'ai vraiment craqué. Voilà. Super les oiseaux là, on peut même les découper, je pense que ça peut faire super sympa. Je me suis dit voilà, c'est des frais, j'ai vraiment envie de le prendre. Je pouvais pas passer à côté de celui-ci. Donc voilà, j'ai pris que ça, parce qu'il y en avait en 15-15, il y avait d'autres 20-20, et puis ben en 30-30, il y avait celui que j'avais trouvé, le Lovely You. Donc c'était tout du rose avec du gold en 30-30. Voilà, je me suis contentée que de ces deux-là. Sinon, j'ai trouvé, alors là, c'est pas pour la couverture que je l'ai pris, j'ai trouvé des albums comme ceci. Vous allez me dire, c'est un album. Et non, parce que ils sont avec les anneaux. Alors, c'était 3,99€. J'en ai pris deux. Mais je pense que si j'y retourne cette semaine, je vais en reprendre parce que je vous ferai voir. J'ai envie de le customiser, tout simplement. Je vais vous faire voir. Donc voici la première page. Donc là il y a les œillets, tout, je suis d'accord. Mais je vais le recouvrir. Je repercerai les œillets, là, les trous. Puisque la couverture ne me plaît absolument pas. Mais pour 3,99€, vous avez là les angles. Ça s'enlève. Comme toute scrapeuse qu'on est, il suffit de les ouvrir, ça s'enlève. Et on les récupère pour les remettre. Ça se recouvre. Vous voyez, nickel. Vous avez je sais pas combien il y en a, hein. Je pense une bonne vingtaine de pages. 4, 6, 8. Je suis en train de les compter. 16, 18. 20, 24, 26, il y a 30 pages. Hop, ça glisse. 30 pages de noir. Donc, vous voyez, elles sont le cardstock percé. Après, je pense faire une articulation dedans. Je ne voulais pas mettre les 30 pages comme ça et puis qu'on tourne tout simplement bêtement. J'ai envie de faire quelque chose. Je vais le faire avec vous. J'ai envie de faire un tuto album. Je trouve que celui-ci est assez sympa. Et donc, vous voyez, vous avez la couverture, pareil, qui ne me plaît pas. Hein, mais... Et vous avez les anneaux. Donc, les anneaux correspondent. On se dit, super. Au niveau de l'épaisseur, vous voyez, ça fait quand même un bel album. On a tous du papier qu'on ne se sert pas. Donc voilà. Et donc du coup, j'en ai pris un deuxième qui est comme ceci. Donc j'ai vraiment pris, il y avait plusieurs modèles. Il y avait des modèles à spirale. Ça, j'ai la cinch, je veux dire, voilà, c'est
moi, j'en voyais pas trop l'intérêt. Pour celles qui n'ont pas la cinch, faut savoir, il y en avait qui étaient avec des reliures en spirale, donc assez grosses pour pouvoir faire de très beaux albums, en noir et en craft. Donc voilà ce que moi j'avais. Il y en avait où il y avait, c'était des formats 15-15 et sur la page de couverture, on pouvait mettre une petite photo par exemple. Donc ça était assez sympa aussi. Il y avait ces modèles-ci, il y en avait d'autres. Pour le moment, je vous dis, j'en ai pris que deux. Mais si vraiment ce que j'ai dans ma tête, on va dire ça comme ça, fonctionne et rend super bien, je pense que j'en prendrai d'autres et je ferai d'autres albums puisque vous savez que j'ai énormément de retard à faire dans mes photos et que on peut faire des petits supports. Je trouve ce support là super bien. On a déjà le cardstock, on a la couverture pour 4 €, je veux dire, on se ruine pas trop. Donc c'était voilà, c'est mon avis. Donc je vais tester avec vous, on va le faire ensemble. Hop, c'est tombé. Sinon, j'ai trouvé également des breloques pour 30 centimes. Donc ça, c'est pareil, je me suis dit, ça vaut le coup. Parce que ça reste 30 centimes, c'est accessible. Donc j'en ai pris plusieurs. Des petites coccinelle comme ceci, des petits grelots, alors là des petits pieds, des petits boutons, un rouge et un blanc. J'ai trouvé ceci également, j'ai trouvé ça super mignon, des petits sacs à main. Pour cet été, la petite tongue avec le petit sac à main turquoise, j'ai trouvé ça super sympa. Donc celui-ci, je l'ai pris en double parce que je l'aime beaucoup. J'ai trouvé des petits chapeaux comme ceci. Donc si on veut faire du vintage par exemple. Après, c'est pas ce que je fais le plus, mais je trouve ça sympa. Après, voilà. J'ai trouvé des cartes de jeu. Voilà. Et des petites chaussures. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Je suis très contente. Je vous dis, on va se retrouver pour faire le tuto. Je pense que je vais le faire là, dans le week-end. J'ai plein de choses à filmer, du moins qui sont dans ma tête et j'ai plus qu'à les filmer. C'est plus le temps qui me manque. Mais je voudrais faire l'album avec vous. Donc, je pense que je vais commencer. Et puis, alors peut-être que vous aurez une page. Et puis, peut-être que vous aurez une carte que j'aurai faite entre deux. Mais voilà, j'essaierai de le continuer avec vous pour que vous voyez l'avancée de cette idée. Puisque je trouve ça vraiment super. Je pense que quand on les achète sur des sites spécialisés, il y en a à peu près pour 20 €. Donc là, pour 4 €, le papier est vraiment épais. Donc, ça reste bien. Donc voilà, j'arrête de blablater et je vous retrouve pour la suite des vidéos. Allez, bye bye !